Les enfants, je suis votre nounou. C'est votre papa et votre maman qui m'a envoyé. Aujourd'hui, c'est moi qui vous garde. Et pas de bêtises. Oui. Ok. Est-ce que je peux poser une question? Baisse ta main, tu poses pas de questions. Mais je vois bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Oh. Désolé. Nounou, je vais te montrer ma danse. Va t'asseoir avec les autres là-bas. Maintenant, vous restez là et vous faites pas de bruit. Ok. Je vais manger des pompons. Non, chut, j'ai dit vous restez tranquille. Nounou, est-ce que tu peux ouvrir les oranges, s'il te plaît? Non, tu vas les poser. Et tu viens plus m'embêter, d'accord? Elle est trop méchante, la nounou. Moi qui l'avais! Non, c'est moi! Oui, bah, je vais dire à la nounou que tous les jours tu prends un buzzer. Mais c'est à moi le puzzle. Moi aussi, je vais voir la nounou. Mais c'est à moi le buzzer. Je m'en fous, dégagez de là. Hé, hey, toi là avec une chère jaune, viens ici. Allez, va là-bas. Oh, arrêtez de m'embêter, j'ai dit. Est-ce que tu peux ouvrir, s'il te plaît? Non, tu ouvres tout seul comme un grand. Allez, essaye d'ouvrir. Essaye, c'est facile en plus. Allez, allez là, tu prends beaucoup de temps, dépêche-toi. Mais non, j'arrive pas. Mais si t'arrives, t'es en train d'ouvrir, tu dis ça juste parce que tu veux que j'ouvre pour toi. T'as vu, t'as réussi à ouvrir, maintenant prends les céréales. Merci, t'as ouvert pour moi. Allez, va là-bas. Va avec les autres, ok? Ok. Je vais manger mes céréales. Elles sont trop bons. En plus, c'est mes céréales préférées. Cette nounou, elle ne surveille même pas. Oui, elle est trop méchante. Maman a choisi la mauvaise nounou. Il a mangé le céléra. Il a dit qu'il a mangé les céréales. Ta fille, elle est méchante. Elle est trop méchante. Non. Vous voyez pas que je regarde ça là? Pourquoi vous vous asseyez déjà? Vous regardez pas avec moi, vous partez. Allez, partez. Partez et vous regardez pas. Oh. C'est moi, chat. Tu viens. Si t'es obligé, t'es puni. Ben, je te tire avec la chaise alors. Tu viens. Ok, allez. Va sors de ta chaise. Et tu vas là-bas. T'es puni. Je veux pas t'entendre, d'accord? T'es puni, je veux pas t'entendre, d'accord? Là.
D'accord. Ferme la porte. Non, tu souris pas. Si tu souris, t'es puni, mais pas avec elle. T'es puni tout seul. Je vous laisse, je regarde la suite de mes trucs et si je vous entends un seul truc, vous allez voir, ok? Ok. Je m'en vais regarder Jade. T'as pas le droit de regarder Jade, il est puni. Mangez doucement, vite fait. Bon, j'ai soif, je vais aller me prendre un petit truc au frigo. Oh là là, il a un compte de chat. Yes, vous n'avez pas discuté le besoin avec moi. Jade, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es là? Tu devais être puni. Il n'y a pas de désolé, tu vas dans la chambre tout de suite. Yes, elle est punie. Quoi? Comment ça t'es content? Toi aussi, va, t'es puni toi aussi. Va, dépêche-toi. Dépêche-toi. Arrête de pleurer. J'avais dit puni, non? Pourquoi je vois un sourire là? Enlève la couverture sur toi. Si. Et viens t'asseoir ici. Pourquoi vous jouez? Ben répondez. Vous êtes puni, non? On ne pouvait pas. Ben si, je vous ai vu. En plus, tu mens. Ben toi, vous êtes plus punis ensemble. Viens. Toi, tu restes tout seul, d'accord? Comment ça va? Plus vite! Va dans la chambre. Quoi? Qu'est-ce que je me raconte, toi? J'ai mal au pied. J'ai pas entendu. J'ai mal au pied. Et alors? Ben regarde, lève-toi. Et va dans la chambre, va dormir. Ça va te soigner, ok? Et toi alors, qu'est-ce que tu fais ici? Toi au moins t'es sage, pas comme les autres. Mais t'es quand même puni, viens. Allez, dépêche-toi, plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. T'es puni avec eux. Allez. Tu sais pas meuf, les enfants, ils sont trop chiants, qu'ils font des bêtises et tout, ils m'écoutent même pas. C'est trop abusé, en plus il y a du bordel ici et tout. C'est grave quand même. J'en ai marre d'eux. Bah oui, ils sont trop chiants. J'en ai marre d'eux. En plus, regarde, ils foutent du dentifrice partout. Ah, désolé. Comment ça, désolé? Taisez-vous, fermez vos bouches là. Je suis au téléphone avec ma copine. Mais... Non, taisez-vous. Ils foutent le bordel. Ils rangent même pas leur dentifrice. J'en ai marre de ces petits là. C'est vraiment n'importe quoi, je te jure. Mais oui. Bon, vas-y, je te laisse. Bisous, je vais m'occuper d'eux. Salut, bisous. Vous, vous allez voir. Venez tous. Allez ranger votre dentifrice là. Allez. Venez ranger la chambre ici là, c'est votre bordel. Oui, on n'a pas fait le dentifrice. Bah fais-le et ils vont ranger. Allez ranger vos affaires là. C'est quoi tout ce bordel là? Vous êtes des cochons ou quoi? Mais...
Mais c'est toi qui dois le faire, on t'a ramené pour ça. Toi, tu baisses d'un ton là, ok? Et rangez tout ça. Moi, je m'en fiche, je suis venue juste ici pour l'argent. Est-ce que c'est vous qui me payez? Non, c'est vos parents. Donc rangez. Et toi là, tu fais quoi? Range les vêtements. Et toi, pourquoi t'attends que je puisse dormir dans les mains? Range les vêtements avec eux. Range tes vêtements. Et toi aussi. Allez, range les vêtements. Et dépêchez-vous. C'est bien, vous faites mon travail. C'est pas grave. Je suis de retour. Yes, yeah, yeah. Sortez, c'est moi qui dois faire ça, allez. Les enfants? Oui, papa. Vous êtes mes amours, ok? Oui. Vous savez ça, non? Oui. Hmm? Mm-hmm. Voilà. Bon, aujourd'hui, je sors avec maman. On a un rendez-vous très très important. Par contre, vous allez rester ici dans cette maison, tout seul, comme des grandes personnes. J'ai confiance en vous. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la nourriture, il y a des jouets. Par contre, n'allez pas à la piscine, ok? De toute façon, je vais verrouiller tout. Et maman a quelque chose d'important à vous dire. Écoutez très bien. Oui, on va vous laisser tout seul ici. Par contre, personne ne va dans la chambre où il y a le petit couloir, d'accord? D'accord? Ok. Ok, maman. Oui, maman, c'est entendu. D'accord. Bon, papa et moi, on va partir. On vous laisse. Toi, tu peux prendre ma place, va? Assieds-toi. Bon, on dit au revoir, papa. Au revoir, papa. Ah, ben, dégueulasse. Ah, là, toi alors, t'abuses. Pas de bruit, pas de bêtises, ok? Allez, bisous. Allez, on fait bisous à papa. Voilà. À tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure, maman. Pourquoi ils nous ont dit non pour y aller dans la chambre du couloir? C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. On n'est jamais entré dans cette chambre. Bah oui. Depuis qu'on habite ici, il n'y a que papa et maman qui y vont. Oui, c'est vrai, on n'est jamais entré dans cette chambre. Je me demande bien qu'est-ce qui se cache derrière cette porte. Ça se trouve qu'il y a un trésor de bonbons là-bas. Mais Maëlle, on l'aurait su s'il y avait des bonbons. Ouais, t'as raison. Mais ça se trouve, il y a du poulet dedans. Mais Maëlle, t'es trop bête, il n'y a pas de poulet. Mais si, il n'y a pas de poulet. Il y a quoi alors? Moi, j'en sais rien. Toi aussi, t'en sais rien. Aaron, qu'est-ce que t'en penses? Non, laissez-moi tranquille. Papa et maman, ils ont dit on n'a pas le droit d'y aller dans la chambre. Viens, quelque part. Viens, quelque part. Viens, demande à Wanis. Wanis, qu'est-ce que t'en penses? Oh, il dort. À chaque fois qu'il finit de manger, il dort. Ouais. Pourquoi il s'en fout de la chambre? Moi, je sais pas. Moi, j'avais de regarder la chambre. Oui, mais papa et maman, ils ont dit non. Ouais. Je vais me prendre un petit truc au frigo. Ramène-moi du mougou-mougou, s'il te plaît. Ok. C'est bon, j'ai pris les boissons. Mais il est passé où, Maëlle? Aaron? T'as pas vu, Maëlle? Non. Depuis tout à l'heure, je jouais. Et où il est passé? J'allais lui ramener sa boisson. Aucune idée, aucune pointe tes oignons. Ah, il est trop chiant, ce petit frère. Non. Je pars. Je pars là. Mm-hmm.
J'ai vu des esprits, la poubelle m'a attrapé, elle était là. Des esprits, une poupée, tu fais peur. C'est pas moi, je veux pas de la poupée. Quelle poupée? En plus, elle m'a attrapé, elle m'a suivi. Réveille-toi. Maïf, l'air comme un bébé. Maël, assieds-toi et bois ton jus et raconte-moi. Pourquoi t'es entré là-bas? Papa et maman, ils ont dit on n'a pas le droit d'entrer. C'est allé jouer chez toi. On n'y va plus, on reste ici. Et on attend que papa et maman y reviennent. Oui, moi je ne veux plus là-bas, c'est dangereux. Je ne veux plus là-bas. Je ne veux plus là-bas. Arrêtez de rigoler sur lui, sinon je vais à papa. Maël, il est où ton buzzer? On va jouer avec. J'ai oublié à la chambre. Mais non, pas ça. Je l'ai laissé. La main a bougé et ici. Je vais partir chercher ton buzzer dans la chambre. Merci. Bon, c'est bon, Maëlle. Là, tu me sers trop. Pourquoi il fait nuit d'un coup? Bon, c'est pas grave. Je vais chercher le buzzer à Maëlle. C'est grave, j'avais pas l'air. Arrêtez de pleurer, c'est moi le plus petit. Tu dis ça parce que t'as pas vu la poupée. Si j'ai vu la poupée, vous êtes des bébés cadeaux. Rien peut m'arriver, moi je peux sauver. Jade, je suis un gros bonhomme, j'ai la force. Mais elle a quelque chose derrière toi. Peur de cette jolie poupée. Ah non, elle a la poupée. Qu'est-ce qui va pas, Jade? Jade? Jade?
Ha 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 ha.